Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Nous voici aujourd'hui au kilomètre 12,5 au Feinadou, où vous aurez donc le premier contrôle du 20 km. Vous allez ensuite tourner sur votre gauche pour regagner le long des crêtes le hameau de Gaucheran qui se situe juste à côté de cette plantation d'épicéa. Allez, nous voici de retour après le Feinadou. Vous allez arriver par ce fantastique single. Ensuite, n'oubliez pas de tourner sur votre droite pour pouvoir regagner le single que l'on aperçoit sur les crêtes au milieu des genêts. Première partie relativement technique, donc méfiez-vous. Beaucoup de mottes avec des appuis relativement instables. Puis ensuite, vous allez regagner un petit single au milieu des châtaigniers. Une fois arrivé à la clôture, vous allez aller tout droit pour rejoindre le hameau, où Franck vous attendra donc pour le ravitaillement au hameau de Gaucheran, le deuxième avec un contrôle au kilomètre 16. Ensuite, vous allez pouvoir relancer vivement les appuis sur la piste forestière pour rejoindre le hameau de Brige, où vous aurez un poste de secours au kilomètre 17,5. Une fois que vous serez à la Croix de Brige, après une petite ascension sur une piste forestière, vous allez regagner des monotraces qui vont vous descendre sur 2 km jusqu'au village de Tueil, où vous allez passer donc par le hameau de Dardé. Ensuite, une fois arrivé dans Tueil, vous allez vous retrouver sous le parc du château de Boux. Pensez à bien tourner à droite et passer sous le porche pour regagner le château. Là encore, tout le staff sera là pour vous accueillir, puisqu'ici l'accueil des organisateurs est une tradition, tout comme avec Pierre Benet, le vainqueur du 20 km 2013. Vous allez passer bien sûr avec l'incontournable interview avec notre speaker, puis ensuite après le repas, n'oubliez pas de passer par les salles voûtées pour venir vous faire bichonner un petit peu les mollets.